Goedenavond, welkom op de persconferentie na de wedstrijd AA Gent-Charleroi, eindstand 1-0. Zoals gewoonlijk praten we nog even na met de beide trainers. Nadien is er mogelijkheid tot extra vragen. Bonsoir, bienvenue à cette conférence de presse après le match La Gantoise contre Charleroi. 1-0, nous allons d'abord écouter l'analyse des deux entraîneurs. Après, il y a encore la possibilité pour poser des questions supplémentaires. Nous allons d'abord écouter l'analyse de M. Mazou. Bonsoir. Mais évidemment, tout le groupe, tout le staff, on est énormément déçus du résultat par rapport au moment où on a pris le but. S'il est vrai qu'on a très mal commencé le match et sur les 20 premières minutes, on a subi énormément de pression en laissant trop d'espace dans les intervalles. Je pense qu'en avançant dans le match, on était mieux. Sans être extraordinaire, on était mieux contre une très très bonne équipe de Gand, avec de très belles individualités, beaucoup de techniques, beaucoup de percussions, beaucoup de mouvements. Je pense que malgré ça, on était dans la bonne organisation défensivement. Si dans les 20 premières minutes, il y a eu quelques situations dangereuses pour Gand, sur l'ensemble du match, mis à part, si je ne me trompe, la frappe de Jäger en deuxième mi-temps, mon gardien n'a pas eu de grosses difficultés au niveau des prises de balles, même si dans le contenu du jeu, effectivement, Gand a été évidemment meilleur que nous. Voilà, je pense que sur l'état d'esprit, l'organisation, la combativité, sur les 96 minutes 30, mon groupe aurait pu repartir avec un point. Et pour tous ces paramètres-là, il l'aurait mérité. Après, c'est dommage qu'on concède ce but à ce moment-là, sur un manque de maturité, sur un manque d'expérience, sur la faute qui est faite au point de corner. Le match, il est fini. Je pense qu'il y a d'abord une faute sur Nourio. Et sa réaction n'est pas bonne. Alors qu'on est à deux, il y a une couverture. On a manqué là d'expérience. Voilà. C'est dommage que ce but arrive à ce moment-là, sur une phase arrêtée. On sait que Gand est performant sur les phases arrêtées. Ils ont de la taille, ils ont des combinaisons. Et jusqu'à ce moment-là, on avait réussi à contenir toutes ces combinaisons et toutes ces tailles, même si nous, on en a moins. Voilà, c'est dommage que ce but arrive sur cette phase arrêtée en fin de match. Merci monsieur Mazou pour cette analyse. Ik geef het woord nu aan Yves van der Hagen, coach van Agent. Ja, natuurlijk zit ik hier heel tevreden en heel gelukkig met de overwinning in de laatste seconde. En ik denk ook dat als je ziet hoe dat de bank de vreugde beleeft, dat dan de mooiste overwinningen zijn ook. We hebben er ook heel hard voor gevochten. In die zin, ik zag een hele goede wil. Met toch veel beweging en toch wel wat goede acties en combinaties in de eerste helft. Maar we weten dat de organisatie van Charleroi een van de sterkste punten is in de competitie. En dat het heel moeilijk is om kansen te creëren tegen hen. En daarom ook heeft mijn collega de titel van beste trainer van het jaar gewonnen. Dus ik wil hem daar ook nog een keer mee feliciteren. Dank u. Is het inderdaad altijd opletten voor een counter. En die counter is er ook geweest. Gelukkig gaat die naast, want anders wordt het dubbel zo zwaar. Ik kan alleen maar mijn groep feliciteren over de kracht dat ze uitgestraald hebben. De wil om toch vooruit te voetballen en een doelpunt te maken. En daarom ben ik heel tevreden dat we uiteindelijk 3 punten terugpakken op Charleroi. Want ja, ze staan nog altijd heel veel punten voor. En ik wil ook nog een keer Freddy Delcour bedanken voor zijn jarenlange dienst bij de spelers. En dat was echt een hele goede kracht voor ons. En die vent gaat zijn pensioen nooit meer vergeten, want het was zijn laatste thuiswedstrijd. En als je dat dan zo kunt vieren en eigenlijk inkaderen, ik denk dat hij dat nooit meer gaat vergeten. Dus tevreden coach, we houden onze thuisreputatie. Ik vind dat niet onbelangrijk, mentaal kan dat wel wegen om andere ploegen te ontvangen. En dus we zijn bezig met, of we gaan verder met onze comeback. En daarvoor zijn we heel tevreden. Dankjewel Yves voor jouw analyse. We sluiten hier de persconferentie af voor het intern televisiecircuit. De volgende thuiswedstrijd is er over exact 1 maand op 21 januari om 8 uur tegen Sporting Lokeren. Intussen tijd een fijn einde jaar en tot volgend jaar.